Alors donc Stéphane était, ben un, il aurait pu se trouver un meilleur nom pour tout ce qu'il a accompli, mais il n'a pas travaillé là-dessus, il n'a pas fait, c'est pas lui qui a choisi son nom, c'est plus ses parents. Mais ce qui est arrivé, il s'est réveillé ce matin-là, il était dans une ruelle. Il se rappelait à peu près de son nom, mais il se rappelait pas qu'est-ce qu'il faisait là, pourquoi, puis surtout c'est dans quel monde qu'il était rendu. Il connaissait absolument rien de ce monde-là. Il a pas été introduit convenablement. Il a pas passé par les douanes. Il est arrivé là de façon illégale. Cette journée-là, ça lui a pris 2 jours complets pour reprendre ses esprits. Il était un peu encore dans les vapes et il allait pas très bien. Premièrement, il se sentait seul. Il comprenait pas la langue des locaux, les personnes qui vivaient là. Comprenait pas pourquoi ses vêtements commençaient à bouger presque un peu. Commençait à bouger tout seul. Il y a des gens qui ont essayé d'y parler. Ils comprenaient pas, mais tu voyais qu'ils voulaient l'aider. Il était arrivé dans une grande ville. Ça lui a pris une autre belle semaine complète pour apprendre la langue de la place. Il s'est adapté. Il a commencé à il a commencé à voyager. Il a commencé à explorer la ville. Il est allé voir plus loin. Il s'est ramassé encore plus loin. Il a entendu des rumeurs. Il a entendu des rumeurs que s'il voulait parler, s'il voulait avoir des réponses sur c'est quoi qui est arrivé, il pouvait aller voir le maître de l'endroit le plus. La personne la plus haut gradée. La personne la plus haut gradée, la personne qui vit dans son grand château qui est au-dessus d'un grand lac. Il a réussi à le trouver. Il a réussi à se promener, le trouver. Il a réussi à convaincre quelqu'un de l'amener jusqu'au château en question. Il a affronté le château qui avait des. Qui sa carte intérieure changeait à peu près à toutes les secondes. Il a trouvé le truc pour se rendre directement dans la salle du trône. C'est là qu'il est arrivé devant le gardien, devant le maître de l'endroit, devant lui qui contrôle tout. Alors, Stéphane a été le premier à convaincre le gardien de ramener chez lui.